tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube et à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Franchement, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je vais vous parler astuces. Tu as abonné? Tu as liké? Tu as commenté? C'est pas grave, c'est pas encore fait. T'attends quoi? T'attends quoi? Tu vas rater tout le temps l'actualité. Tu vas rater les astuces. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'encourager? Pourquoi tu es aigri? Yako, je ne veux pas de trop. C'est bon. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer une astuce. C'est clair, le sujet va encore porter sur Corona, mais on ne va pas se fatiguer d'écouter Corona parce que Corona fait des ravages partout d'ailleurs. Alors aujourd'hui, mes amours, je viens auprès de vous vous présenter mon astuce. On va fabriquer quoi? On va fabriquer nos masques aujourd'hui parce que vous savez très bien que moi, j'ai cherché partout, je ne plus viens. À la pharmacie, il n'y a plus de masque protection contre le virus. Dans les boutiques et toutes les surfaces grand marché, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre masque fait maison. D'accord. Alors, on a besoin de trois éléments. Papier. Papier essuie-tout. Voilà. Donc, je vais déchirer. On aura besoin d'un seul papier essuie-tout. On a besoin de deux frondes pour simuler les fils là qu'on attache comme des masques. Et on aura besoin d'une agrafeuse pour agrafer tout ça. Avant de vous montrer l'astuce, déjà, big up à toi Lily. Tu sais pourquoi est-ce que je te fais le big up? Mouah! Voilà. Mes amours, donc du coup, on va prendre le papier comme ça, on va le placer en longueur et on va essayer de le rouler en alternant tout le temps de côté. Voilà un côté que j'ai fait, je retourne le papier et je refais. Donc on va essayer de fabriquer une espèce de nœud papillon, d'accord? Voilà, restez avec moi, ça va pas mettre long. On chante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Donc voilà ça, cette espèce de nœud papillon que l'on a plié et qu'on a fabriqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre au premier bout de mon papier. Je vais prendre ma fronde que je vais venir caler là comme ça et que je vais agrafer, d'accord. Vous pouvez doubler le papier hein, si vous voulez une meilleure protection, ou bien si vous voulez que ce soit, je sais pas, plus épais que ça, vous pouvez doubler. Donc voilà le côté qui est déjà agrafé. On va faire pareil, venir à l'autre extrémité également, aussi solidifier ce côté là. On va essayer de garder le même sens. On va venir agrafer. Parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble premièrement. Ça n'a pas l'air de masque, non, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir démêler comme ça. Et ça donne déjà l'aspect d'un masque. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'enfiler. C'est de l'enfiler comme ça. Et de venir ajuster, d'accord? Donc là maintenant, moi j'ai protégé mon nez, j'ai protégé ma bouche, et puis si je tousse, c'est dans mon masque. Si j'éternue, c'est dans mon masque, et puis voilà, je ne partage pas mes microbes avec le reste de la planète. Donc mes amours, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà notre petit masque fait maison. Et j'espère que l'astuce t'a vraiment apporté quelque chose. J'espère que tu pourras dorénavant fabriquer ton masque à la maison et ne plus dire que voilà, tu n'as rien trouvé en pharmacie et dans toutes les surfaces disponibles généralement. Donc mes amours, je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi à ma chaîne, commente. Et puis je te retrouve très prochainement pour une nouvelle astuce. Et encore une fois de plus, big up à toi Lily. Mouah!